Le vent maudit. Georges, je t'en prie. Oh Dieu merci, c'est toi. Ils vont entrer d'une minute à l'autre. Ils sont devenus trop forts pour nous. Tu as pris les dagues et les livres aussi. Oh non, Georges. Ah! Si le cristal se brise, c'est la fin pour tous les deux. C'est pour notre espèce de sorcière. Tu vas vivre. De nos jours. J'en ai assez, je t'en prie, Cory, parle-moi un peu. Et de quoi? De n'importe quoi, de ce que tu penses. Je ne pense qu'à conduire. Est-ce que tu penses que nous sommes encore loin de la ferme? J'en sais rien.
sens que c'est par là. Comment était ton père ? La dernière fois que tu l'as vu. Ce n'était plus qu'un vieil ivrogne. Un étranger. Tu vois, c'est bizarre. Quoi? Je voulais vraiment que tu retrouves ton père. J'espérais que ça t'aiderait à surmonter certains blocages. Mais je suis désolée aujourd'hui que tu l'aies revu. Que faut-il que je comprenne? Oh, c'est simple. Ces dernières 48 heures, tu ne m'as pas regardée en face une seule fois. En fait, depuis que tu as retrouvé ton père, tu m'as complètement exclu de ta vie et j'aimerais savoir pourquoi. Je t'ai emmené avec moi, non? Oh, bien sûr, je suis là, mais pourquoi faire? Tu ne m'as pas décroché une seule parole depuis qu'on est parti ce matin. Alors? Difficile à dire. Depuis que j'ai revu mon père, j'entends cette voix qui me résonne dans la tête, et cela continuellement, et qui me dit que je dois aller voir cette ferme. Cory, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Tu semblais être ailleurs. Non, je vais bien. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que je peux pour vous? Est-ce que la ferme Carter est loin d'ici? La quoi?
Cet endroit n'existe pas. Et pourtant, d'après la carte, c'est par là. Y a pas de doute, elle se trompe. Et d'ailleurs, si vous voulez pas d'essence, vous feriez mieux de vous en aller, hein? Tu vois peut-être qu'après tout, la carte se trompe si on rentrait chez nous. Non. C'est bien là que se passe mon rêve. La ferme est tout près, je le sens bien. Y a quelqu'un? Y a personne? Oh. Oh, barman. C'est la marque des brebis qui s'égarent. Oh, je t'en prie. Je voulais seulement que tu te détendes un peu. Pour les toilettes, c'est derrière. Non, ce n'est pas... Vous pouvez peut-être nous aider. Nous voudrions quelque chose à boire. Bien sûr. Nous avons de la bière, du Coca-Cola ou du lait de chèvre, si vous aimez. Un coca, s'il vous plaît. Pour moi aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui? Oh, à part le vieux divers, il y a 15 jours, et Madame Wilson avec Linda la semaine dernière, personne. Vous êtes des amis de la petite Linda? Vous l'avez connue quand elle a été envoyée dans cette école? Je ne crois pas que la petite Linda ait jamais été dans une école. Je crois plutôt qu'elle s'est fourrée dans une histoire trouble et qu'ils l'auront éloignée. Vous connaissez cette Linda dont je parle? Non, non, nous ne la connaissons pas. Si nous sommes ici, c'est pour trouver la ferme des Carter. Oh. Ça n'existe pas. Tiens, je crois que j'entends la Jeep de Dell. Tant mieux. Je vais me barrer au plus vite. Tiens, Hélène. Elle-même. Dell. Regarde-moi, tu sais que tu es belle à croquer. Ah, encore, et mon ami, je ne t'avais pas vu. Oh. Ça va, mon vieux? Comment c'était le voyage? C'était barbant. Mais en plus, tu connais les femmes, à peine sortie de la ville, la voilà qui panique et qui me cristalle. Je n'avais rien à me mettre, fallait que j'achète quelque chose. Ben voyons. Tu sais que tu es à croquer. C'est la raison pour laquelle on arrive si tard. Bonnie, ma chérie. Hélène, comment vas-tu? En pleine forme. Tu es resplendissante. Et toi, tu es absolument splendide. Oh, merci beaucoup. Moi. Bizarre, mais ces gestes sont typiques d'une certaine sous-culture. Au fait, bonjour, monsieur Harman. Jack, mon vieux, je suis très content que tu sois venu. Et ton message disait, c'est urgent. Alors, on est là. Merci d'être venu. Je le pense vraiment. Bon. Si nos deux chéries arrivent à se détacher l'une de l'autre pendant une seconde, on pourrait en discuter. Oui, peut-être Cory va-t-il nous dire ce qu'on fait dans ce bled. Il y en a qui veulent une bière? Non, merci. Non, ça va. Pas pour moi. C'est quoi, le club des non-merci? Non, pas pour moi.
C'est pour tout ça que je la garde. Son truc est à peu près grand comme ça. Qu'est-ce qui est drôle? Rien qui te concerne. Non, allez, dites-le. C'est une si petite chose que ça vaut même pas la peine d'en parler. Tu es certaine? Bon, alors, Cory, pourquoi est-ce que tu nous as appelés? Ça a un rapport avec mon père. Il va bien? Non. Il s'est ouvert les veines le lendemain de ma visite. Tu ne m'as pas parlé de ça? C'est vrai. Mais j'ai pas pu. Et 4 jours après sa naissance, sa famille a disparu d'une ferme par ici. Où était ton père quand ça s'est produit? Il avait été mis en couveuse à l'hôpital. Heureusement, d'ailleurs, il y serait passé lui aussi. Et personne n'a jamais retrouvé sa famille? Non, mais juste après ma naissance, il est venu pour voir ce qui s'était passé. Et il y est resté. Je pense que des événements bizarres se produisent depuis longtemps autour de cette ferme. Et je veux savoir quoi. Vous m'avez compris? Compris. Bien sûr. Laissez-moi vous donner un conseil, mon garçon. Si j'étais vous, je repartirais chez moi et immédiatement. On a besoin d'aller voir cette ferme. Elle m'appartient maintenant. À vous? Vous n'avez jamais eu cette propriété. Allons bon. Dites-nous donc à qui elle appartient. À vous, peut-être? Elle appartient aux défunts. Vous voulez que je vous dise où il est votre problème? Vous êtes vraiment fou, mon vieux. Vous devriez savoir qu'il faut respecter vos aînés, mon garçon. Parce que l'un d'eux peut vous blesser. Oh, du calme. Attendez une minute, monsieur. Nous ne voulons pas de problème. Dis-lui, Del. Non, aucun problème. Bien. Alors, autant que vous êtes, grimpez dans vos voitures et retournez d'où vous venez. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous cachez? J'ai vu ce qui s'est passé pour Carter et sa famille. C'était pendant l'été de 1929. Un vent chaud et sec a soufflé cette année-là sur tout le pays. Notre bétail ainsi que notre blé étaient brûlés par un soleil implacable. L'ombre de la mort était dans l'air. Ça s'est passé le jour du Seigneur. Pendant que les familles assistaient à l'office, excepté les Carter. Il n'avait jamais manqué un seul office. C'est pourquoi, en fin d'après-midi, je me suis rendu chez eux pour voir si tout allait bien. Et là, que Dieu me protège, je les ai vus tous les deux. Je les ai vus. Qu'est-ce que vous avez vu? Plein de sang couvrait leur corps. Plein de sang partout où que l'on regarde. Et des silhouettes dans la pénombre qui ricanaient en avançant vers moi. Je suis parti en hurlant. Et je ne l'ai jamais raconté à qui que ce soit. Ouais. Jusqu'à cet instant. Il n'est même pas chargé. Mon cher petit, n'y allez pas. Il le faut. Allez, je vois. Alors, vous n'avez qu'à suivre cette route, et vous la trouverez. Merci. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Bonne après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le monde merveilleux de la magie. Aujourd'hui, nous allons vous entraîner vers le pays de l'illusion et de la fantaisie. Un lieu où la réalité remplace le fantastique. Et où le fantastique remplace la réalité. J'ignorais que ton ex devait venir. Moi aussi, je l'ignorais.
Une princesse devrait toujours avoir des fleurs. Espèce de pauvre mec, je vais te la faire bouffer à coups de poing dans la tronche, ta boîte. Mais avec plaisir. Calmez-vous, tous les deux. Attention de ne pas blesser le petit lapin. Adèle, ça ne sert à rien de s'énerver. Je vous ai demandé à tous de venir m'aider, alors je vous en prie, pas de ça ici. Le contrôle de soi, ça s'apprend. Si tu veux, un jour, je te donnerai des leçons. Ça va, Cory? Bien, merci. Je n'espérais plus vous voir. Nous n'allions pas manquer l'occasion de donner la représentation de notre vie, d'apporter un peu de rêve dans les terres lointaines, d'être en compagnie des amis que l'on aime. Mon cher, nous ne pouvions être ailleurs qu'ici. En plus de cela, tu nous avais demandé d'être là, alors voilà. Nous sommes venus. Ravi de vous voir. Au fait, quel est exactement le but de cette expédition, si ce n'est pas indiscret? Et si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer. Tu es toujours dans le coup? Ouais, on y est. Tu nous suis? Moi, tu me connais, je suis toujours prêt à m'amuser. Parfait, on y va. Ne t'amuse pas assez avec moi ou je te fais bouffer ton nœud pape. On se calme. Espèce de pauvre crétin. Encore partant? Pour le pire et le meilleur. Vous allez vous en mordre les doigts, mon garçon. C'est possible, mais c'est mon problème. Les pauvres fous. Qu'espères-tu trouver en allant là-bas? J'ai enfin l'occasion de découvrir qui je suis vraiment.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je me demande qui c'est. N'approche pas de ce truc. N'y touchez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça! C'est le frère aîné de mon père. Comment en es-tu sûr? Je le sens, c'est tout. Tu veux une explication à ce mystère, la voilà. Et quelqu'un de complètement dérangé s'est amené un jour à torturer le pauvre bougre de la croix et a mis le feu à la maison. Ils ont dû mourir dans le feu. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit, mais ça sent la mort à plein nez. Corey? 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 J'entre, restez là. Oh non, arrête! Je sais pas ce que c'est, mais j'ai peur, fichons le camp. Bonnie a raison, Corey, je le ressens moi aussi. Je me dois de franchir cette porte. Attendez-moi ici. Tiens, ça peut servir. Regina, avec tout mon amour. C'était ma grand-mère.
Nunc protesta satané vivet. Qu'est-ce que c'est que ce pin, Sarman? J'en sais absolument rien, je sais pas. Qu'est-ce que Bonnie a lu? Qu'est-ce que ça disait? Ça, c'était du latin, ça disait « Alors Satan marchera ». Ce petit truc nous protégera contre tout ce qui bouge. Je ne sais pas ce que c'est, je pense qu'on devrait partir avant que la nuit ne tombe. Tu fais ce que tu veux, quoi qu'il en soit, mes grands-parents sont morts, je veux savoir pourquoi. Je suis d'avis qu'on se tire, allez, amenez-vous! Ma batterie est à plat! La mienne aussi! Il faut partir d'ici immédiatement! Elle a raison, cette maison est possédée! Non, soyez sérieux. J'ai entendu parler de ce genre de choses. Ce n'est qu'une hallucination. Arrête ton char, Jack! Tout dans cette maison était réel, tu l'as vu de tes yeux vus! Alors c'est que je n'en crois pas mes yeux. C'est que c'est simplement incroyable. Jack, il se passe quelque chose ici, c'est diabolique. Diabolique? Mais où as-tu vu le diable? C'est là! Et il nous attend, et c'est le moment. Et il attend quoi? Nous-mêmes, c'est notre destin qui s'accomplit. Promets-moi une chose. Mais tout ce que tu veux. Si on y passe, ne m'enterre pas ici. Mais tu ne vas pas mourir, voyons. Promets-le-moi. C'est bon, je te le promets, mais rien de tout ça ne va se passer. Je veille sur toi. Si on s'en allait d'ici. Ne prenez que l'essentiel, on va retourner à la station. Incroyable, vous avez vu le brouillard? Je crois que nous avons un problème. C'est exact. Je n'ai jamais vu un brouillard aussi rapide. Ce n'est pas la même forêt. Mais si, voyons. Et moi, je suis le pape. Le même phénomène que dans la maison se reproduit ici. Ça recommence. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, c'est affreux. Oh non, le voilà qui revient. Elle n'y va pas. Ne bouge pas. Alors, d'où venez-vous, mes jolies? Mon Dieu, tu n'as pas mal.
Vous ne partirez pas en vie. Non. Tu es mienne. Alors, quel est le programme? Nous venons de voir que nous ne pouvons pas aller très loin. Bonne déduction, Sherlock. Dans ce cas, qu'est-ce que tu proposes? Le soleil va se coucher dans quelques minutes. Nous n'avons plus qu'à choisir. Ou on dort dans les voitures ou dans la maison. Moi, je préfère la maison. Mais si ça recommence comme tout à l'heure, on veut nous tuer. Je ne le pense pas. J'ai l'impression que c'était un avertissement pour nous éloigner. Comment peux-tu en être certain? Je ne sais pas. C'est une impression profonde. Oh, tout à fait génial, parce que c'est ce genre d'impression qui nous a mis dans cette situation inextricable. Je retourne à l'intérieur. Bien. Je n'ai aucunement l'intention de dormir à la Belle Étoile. L'hôtel est là-bas, crâne d'œuf. S'il vous arrive quelque chose, vous l'aurez bien cherché. Je voudrais qu'on parle. Parler? Je ne vois pas de quoi tu veux qu'on parle. Ben de nous, je l'ai vu dans tes yeux tout à l'heure au café. Tu dis n'importe quoi. Je suis avec Dale et je vais rester avec lui. Terry, je t'aime toujours. Chuck, c'est tout à fait incroyable. Mais tu n'as rien compris. Tu es fou. La vie n'est qu'un jeu pour toi, mais pas pour moi. J'ai besoin de quelqu'un de sérieux à mon côté. Dale l'est. On peut se battre si tu le veux vraiment. Mais nous n'avons plus de sujet de bagarre. Alors on en trouvera à l'intérieur. Bonne idée. Je crois que ça va aller. Il y a de quoi s'occuper. Grand-mère?
Ceci est le journal de Regina Carter, née le 8 juin 1889. Je t'en conjure, ô toi, Délos, protège mon enfant de l'influence du diable. Lève-toi maintenant et approche. Seigneur Dieu, tu veux que j'aie une crise cardiaque? Je te signale que j'ai eu peur aussi. Oh zut! Je t'avais préparé un sandwich. Sacré week-end, hein? Ouais. On t'a vraiment tout fait pour que je reste ici avec toi. Je sais que ça ne se voit pas, mais je suis très heureux que tu sois ici. Merci de me l'avoir dit. J'ai trouvé le journal de grand-mère. Ah ? C'est le crépuscule. Je sais que ce soir, je vais mourir. Et que même la formule magique que grand-mère m'a enseignée ne peut nous sauver. Une formule? Je sais qu'un jour ou l'autre, vous, mes descendants, vous rencontrerez ce démon qui rôde. Dans le dernier tiroir de la commode, vous trouverez deux dagues qui font partie d'un ensemble sacré qui en contenait sept. Les cinq autres ont disparu. Il est écrit que lorsque vous avez les sept, vous pouvez tuer le fils de Satan. Je prie pour que ces deux-là vous sauvent. Nous avons découvert ceci. Cette ferme a été construite par mon arrière-grand-père. Lui et un groupe de paysans ont suivi un prêcheur nommé Anders jusque dans cette vallée. Mais quand ils furent installés, Anders a commencé à prêcher disant que Dieu n'était pas dans la Bible et qu'il avait découvert le vrai Dieu ici. C'était un adorateur du démon. C'est exact. Il voulait ressusciter le diable. Puis trois petites filles disparurent, mais on les retrouva. Du moins, ce qu'il en restait sur un hôtel tout près de chez Anders. Ce type devait être complètement malade. Il y eut une bagarre. Anders et tous ceux qui l'avaient suivi furent brûlés dans sa maison. C'était bien fait. J'espère qu'ils ont cuit lentement. Après, tout se passa bien jusqu'à l'été de 1929. C'est l'année où mon père est né. En juin, le 8. Madame James a accouché de triplés. On a dû les tuer juste après leur naissance. Aucun des bébés n'avait l'air humain. Et pour tous les enfants, ce fut pareil. Excepté pour son père. Et pourquoi lui, il ne lui est rien arrivé? J'en ai aucune idée. Mais le dernier passage dit... Ils sont tous morts maintenant, à part George et moi. Mais je n'ai plus d'espoir. Je les entends qui s'agitent à côté de la grange. Je crois que c'est... Voilà ce qui est arrivé à ma famille. Et nous, on est au milieu de tout ça. Crois-tu que les forces mauvaises vont venir ? Oh non, mon enfant, si jamais elles viennent, nous nous ferons un plaisir d'aller leur botter les fesses. Alors là, mon ami, j'adore votre attitude. C'est très méritant, je dirais même héroïque. Vois-tu, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est tout à fait vrai. Bon sang, j'aimerais avoir quelques grenades ou autre chose. J'aimerais mieux être à Tahiti en vacances. Pas à Tahiti.
Pourquoi pas? Le vaudou, mon vieux, ils ont le vaudou à Tahiti. On n'a qu'à aller à Chicago? Ouais, et Vegas. On ne peut pas parler de spirituel à Vegas. Et c'est parfait. Va pour Vegas. Devine ce qu'on vient de voir. Cory, ma parole, il dort. Jack, réveille-toi! Je suppose qu'elle veut que nous... On va voir. Pourquoi pas? Notre chanson. C'est bizarre. On va avancer. Approchez, je vous attends. Je crois que tu dis vrai. On va réussir à s'en tirer. Tu en avais douté? Dis donc, mon vieux... N'en fais pas trop. Tu vois, pour une fois, tu peux me croire. Je vous ai bien eu. Allez tous vous faire voir! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Ça vient de l'extérieur. Où sont Chuck et Stacy?
Stacy! Chuck! Oh non! Mon Dieu! Oh non! Non! Calme-toi. On reste ensemble et je te promets qu'on s'en sortira vivant. Mais tu as vu ce qui s'est passé. Et alors? Tu me crois si je te dis qu'on va s'en tirer? Je te crois. Dale, on va voir la pièce au fond. Ouais. Pourquoi n'as-tu pas parlé aux autres des dagues et de tout ce que nous avons trouvé? Leur dire quoi? Que ma grand-mère était une sorcière? Qu'elle utilisait la magie pour protéger son fils et sa maison? Dale est à moitié fou et Jack n'en est pas loin lui aussi. Un mot là-dessus, il risque de sombrer complètement. Peut-être qu'on pourrait utiliser cette magie, ça nous aiderait. Tu as vraiment envie d'essayer? Pourquoi pas? Comme tu voudras. Prends ça avec toi. Ça peut toujours te protéger. Tu ne crois pas qu'on va s'en tirer? Je suis désolé de t'avoir amené ici. Tu n'as pas à être désolé, c'est mon idée. Si je suis venue, c'est par amour pour toi. Comment cela est arrivé? Magie. Ça va aller. C'est parce que tu es sous pression. Nous le sommes tous. C'est vrai, elle a raison. Dieu, que j'aimerais être à la maison en ce moment. Oh, écoutez! Mais on dirait... Mais c'est une voiture! C'est Willy et Rina! Coupez pas le moteur! Ne coupez pas le moteur! Ne coupez pas le moteur! Laissez le moteur tourner! Laissez-la en marche! N'arrêtez pas! N'arrêtez pas! Qu'est-ce que tu disais? Je disais n'arrêtez surtout pas le moteur. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui nous arrive? On peut plus démarrer? Oui. On n'en peut plus. Et Terry et moi, on a décidé de quitter cette foutue baraque. On s'en va pendant qu'il fait jour et on va ramener de l'aide. Dale, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Ouais, je suis sûr que je ne veux plus rester ici. Et toi? Tu es décidé à partir avec moi? Je te l'ai dit et répété, où que tu ailles, j'irai avec toi. C'est beau d'être aimé. Ça peut te servir. C'est gentil. Allez, on y va.
J'ai peur qu'ils n'y arrivent pas. Je ne pouvais pas les arrêter. On va se remettre au boulot. Jack ? Oui ? J'en reviens tout de suite. Mais sois prudent. Grand-mère. C'est toi dans la maison. S'il te plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour les effrayer? Grand-mère. La maison est barricadée, on ne peut pas faire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire à présent? Je crois qu'on attend. Non. Tu veux rire? Moi, je suis d'avis de les attaquer. Voyons, Bonnie m'avait parlé d'une espèce de grange abandonnée. Oui, Jack est dans le vrai. Ma grand-mère m'en a aussi parlé. Et peut-être y a-t-il une entrée semblable à celle qui nous a amenés dans cette maison. Et si c'est ici le centre de ses forces, il faut qu'on trouve un moyen de le détruire. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sûrement le meilleur moyen. Je n'en ai guère envie, mais si vous y allez tous, je vous suis. Je vais aller chercher les lampes. Je prends le fusil. Oh, c'est pas possible. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas humain, en tous les cas. Là-bas! On va voir.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôtel voué au diable. Oh, Seigneur, c'est ignoble. Peut-être, mais je le trouve presque humain. Moi, je le trouve magnifique. L'épouvantable duo. Dan nous a fait un excellent repas. Mais on va vous tuer. Vous ne pouvez tuer ceux qui sont déjà morts. Restez où vous êtes, ou je vous explose tous les deux. Cette chose ne partira pas. C'est la maison des âmes damnées. Flammes de l'enfer dès ce soir. Tous les trois. Faut se préparer. Harman, tu comprends pas? La magie de grand-mère marche encore. Ils ne peuvent pas nous atteindre. En es-tu sûr? Tout à fait. Essayez, vous ne pourrez pas passer. Venez nous chercher. Qu'est-ce qui se passe ?
sais pas, les démons ont brisé le cercle magique. Voilà, prends ça, je vais visiter les pièces du fond. Jack! Mais quoi? Fais bien attention. Vous aussi. Dans le sac de Stacy, il y en a d'autres. Jack, de venir ici. J'y vais.
C'est moi, Jack. Oh non, Jack, pas toi aussi. Ça ne fait aucun mal. Jack, on va pouvoir te sauver. N'aie pas peur, tu ne sentiras rien. Ta présence fera plaisir à notre maître. Tu as bien fait, tu lui as rendu service. Il ne sera pas damné. Rassemblez-vous maintenant. C'est le moment de retrouver notre père des ténèbres. Oui, mes enfants, approchez, n'ayez plus peur, venez à moi. Et comme il est écrit, à la fin nous serons rassemblés, et après toutes ces années d'attente, nous avons réussi à boucler le cercle. Mon père, tous nous sommes à tes pieds, ô maître bien-aimé. Faisons le dernier effort, et pour l'avènement de notre père à tous, en vérité, je vous le dis, nous sommes enfin réunis comme un seul esprit. Essayez. Dessine un cercle à la craie. Dépêche. Oh, père des ténèbres, voilà moi, ton fils, enfin arrivé.
J'ai attendu cette nuit tellement longtemps, Coriarman. Après tous ces siècles, le monde va enfin m'appartenir. Ce n'est pas le moment de dire je t'aime. Je te le dis quand même. Je ne vis que pour toi. Ô toi, la lumière, ô toi, l'esprit de paix qui nous guide, ô toi, mère nature qui veille sur nous. Nous qui sommes des êtres de chair issus de ton sein, qui vivons par le souffle que tu nous donnes. Si tu nous reconnais comme tes enfants, nous t'en conjurons, apporte-nous ton soutien dans cette épreuve. Ne suis-je pas l'incarnation de la perfection? Qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est ton train, la vieille sorcière qui tenait les grands secrets. Exact. Ça ne lui a pas servi. Je lui ai pris son mari et son esprit. Et maintenant, tu vas payer pour ça. Je vais te faire connaître l'agonie avant que tu ne meurs. Sont toujours les plus faibles. Tu ne dois plus bouger. Mon Dieu, aidez-moi. Le pouvoir de ton Dieu est désormais réduit à néant. Je suis venu sur cette terre pour dominer le monde. Tu es le dernier pilier. La mort de ton âme va assurer la survie de la mienne. Meurs, fils de l'homme. Ça y est, il revient à lui, Dieu merci. Cory, je ne trouvais plus ton pouls. Mince, tu nous as fichu une sacrée frousse, mon vieux. Et t'étais complètement ailleurs. Hé, hey, Cory, est-ce que tu te sens bien? Ça va. Juste un peu vaseux. Où on est? On est à la ferme de tes grands-parents, tu l'as déjà oublié? Qu'est-il arrivé? On a franchi la porte, jeté un coup d'œil, et brusquement tu t'es écroulé. Mon vieux, t'es tombé comme si t'avais été battu par Mike Tyson. Jack! Ah, Jack, tu vas bien? Vous êtes tous en vie? Évidemment qu'on est tous en vie. Juste ravi de te revoir parmi nous. Tu as dû faire un mauvais rêve. Bon. Oh, pardon. Surprise, hein? Mange la chair de l'être aimé. Je suis désolée. Je t'aimerais. Je t'aime tant. Jamais tu l'as tué. Pas? Je
t'ai toujours aimé, mon petit. Non, pas. Ne le fais pas. Ça suffit. Ça suffit. Tu ne mourras pas. Je ne suis pas effrayé du tout. C'est toi qui es terrifié. Je n'ai pas peur de toi. Ce n'est pas vrai. Tu es vraiment terrifié par nous parce que nous avons la vie. Et que nous savons que toi, tu n'es qu'une ombre. Tu te caches derrière les tours de magie ordinaires parce que tu n'existes pas. Dieu t'a réduit au triste état de serpent et de rien du tout dès le premier jour, mon ami. Je n'ai pas besoin de magie pour prendre ton âme. Et quand tu mourras, je prendrai ta femme et nous engendrerons des fils. Mais sa souffrance sera telle qu'elle me suffira de lui donner la mort. Lis la dernière strophe. Lis-la maintenant. Nous faisons appel à toi, puissance de la lumière. Débarrasse-nous de ce démon et renvoie-le dans les ténèbres d'où il est venu. Nous t'en prions, Dieu de lumière, brûle cette abomination. Chasse-le de la surface de la terre. Délivre-nous de ce mal. Tu as repris ta forme humaine. Est-ce vraiment fini? Est-ce que c'est réellement terminé?
Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ariette? C'est vous, Hélène? Je vous attendais. Je suis si contente que vous soyez venue. Vous savez mon nom? Je sais. Approchez, ma petite. J'ai une bonne surprise pour vous. C'est parfait. Nous avons nous aussi une surprise.